Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis, on part sur un petit only up des familles, un petit peu spécial en fait, c'est une énorme tour et il faut monter, la tour est gigantesque. Et en plus je me lance avec un petit nouveau, un gars spécialisé sur Fortnite, Nikov, vous le connaissez tous, joueur pro les amis, mais il est pas du tout spécialisé dans le Death Run, donc on va bien rire, on va voir si il est meilleur que moi. J'espère que vous avez passé un moment, c'est le cas, n'oublie pas les petits pouces, les abonnements, les commentaires, code créateur Valouz les gars, c'est parti. Frérot, si tu veux jouer avec moi, sors un skin de burger ou de serveur. J'ai vraiment un skin, je pense, tu vas être jaloux. Bah franchement, je suis grave jaloux. Non mais vas-y, là aussi frère. Moi c'est vraiment, j'ai un chômage contre toi là, écoute, il y a vraiment... Comment ça? Non. Hey, ça commence pas, c'est pas un affrontement. Ah si si hein. Non, c'est pas un affrontement. Ah là vraiment, c'est le premier arrivé. Bah vas-y, attends, mais pourquoi il y a deux tours frère? Mais attends, j'ai levé pourquoi, la tête, j'ai pourquoi il y a deux tours? Non mais abuse Valouz, on doit pas monter tout là-haut. C'est pour les petits, c'est pour toi. C'est la Tiny Tower. C'est pour les petits, allez vas-y tu peux y aller. Non, moi je vais dans la tôle frère. Oh bâtard. Ah ça monte haut hein. tu sais que là on s'engage dans un truc qui peut être dangereux frérot. Hein. Ça peut être très très dangereux. Mais ça peut être très long surtout. Hein. Tu as besoin de faire une prédiction, est-ce qu'on arrive à grimper hein? Qui de toi à moi arrive en premier en haut? Je peux mettre un chrono, on se donne 2 heures. Quoi? Mais en 30 minutes c'est plié ça. Mais comment ça 2 heures? Mec, j'ai déjà fait des only up avec Michou, ça a duré 4 heures frère. Non mais avec Michou, en même temps Michou frère. Non Michou il te baise. Mais jamais de la vie. Oh tous les jours. Les gars dites-lui. Comment Michou il me baise en only up. Attends mais c'est où? Comment on grimpe? Ah ouais non, ah ça va être chiant. Oh. Ah non. Attends, mais toi t'es pas. Ah ouais non mais c'est. Ah merde. Ouah c'est la sauce. Attends. Mais non mais franchement je suis sûr et certain que Michou en death run te baise. Je suis sûr et certain. Mais de la vie. Mais Michou il est bon hein. Non mais il est bon Il est bon à faire des vidéos Michou, mais pas les jeux vidéo ça y est. Non vraiment Fortnite il est bon en death run, mais la team Crouton s'est fait connaître comment? Bon ok tu as rigolé mais bon. Oui on s'est fait connaître sur Fortnite créatif frérot. Mais où là? Non mais qu'est-ce que tu branles Paul hein? Non mais frère, moi, attends, c'est pas une course, je t'ai dit nous on est là pour chill. Mais non mais lui il va... Dans 3 minutes il sera en mode, bon bah j'ai fini, map suivante. Waouh! Arrête de porter l'œil. Oh mec j'ai trop envie de te voir tomber là. Je suis à 69 mètres, c'est une coïncidence tout ça. Oh. Bah attends mais t'es à 69 mètres? Ouais je suis à 77 là maintenant. Mais toi, bah ouais mais tu sais c'est parce que vraiment t'as le clavier tous les jours dans la main. Attends ils me disent que vraiment Michou il me fume tous les jours là. Et y a une prédiction qui est lancée en plus. Ah mais je suis de la vie, les gars. Mais je suis sûr et certain. Ah mais la question se pose pas. Bah après toi t'es bon en shoot etc. Après je pense que toi t'es fast learner donc tu peux très vite être bon. Mais des death run t'en fais jamais. Ouais c'est vrai que vraiment le death run c'est vraiment mon point faible hein. Mais en fait celui-là il a vraiment technique et y a pas le droit à l'erreur. Parce que je pense que tu peux pas te rattraper tu vois. Mais ah putain. En fait, c'est. Après, tu connais. Toi, tu connais bien les mécaniques de saut, etc. dans Fortnite, tu vois. Non, bah non, justement. Enfin, si, ah oui, ouais, je connais, mais. Tu vois, c'est pas des trucs de sauter loin, c'est vraiment juste grimper, escalader, grimper, escalader. Bah là, c'est du sang-froid, en fait. Ouais. Donc, par contre, sang-froid, j'avoue que toi, tu peux quand même être bon, hein. Ah. T'es où? Je suis venu trop loin. Oh la tâche, il tombe là où je suis, wesh. Ah non, mais toi, tu le montes comment, le truc? Bah, je sais pas. Et toi, t'as cru que tu montais la tour Eiffel Ouais, voilà, c'est comme ça, c'est de plateforme. Ah bon? Bah, y a des endroits pour passer, quoi. Non, mais attends, c'est une dinguerie. Comment je sais que tomber? Attends. Vraiment, le maître mot, c'est la patience. Tu vas tranquille. On peut discuter. Tu peux me poser des questions. Ok. Qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Est-ce que t'as fait une bonne action, là, cette semaine, dis-moi? Une bonne action? Ouais, genre quelque chose, tu l'as fait, tu t'es dit, allez. Bah en fait, oui, mais pour moi-même, pas pour les autres. Bah en fait, je me suis, en ce moment, je suis grave en train de restructurer un petit peu ma vie et ma manière de voir les choses, tu vois. Ouais. Du style, j'essaie de m'organiser un petit peu mieux en termes d'hygiène de vie, tu vois. Ouais. J'essaie de me coucher assez tôt, de me coucher, enfin... C'est quoi assez tôt pour toi? En ce moment, je m'endors, il est entre 23h30 et 1h du matin, tu vois. Ok, ça va. Ouais, ça va. Et c'est pas mal. J'essaye de, tu vois, le matin, je fais exactement toutes les choses chiantes que j'ai pas envie de faire dans ma vie et que je laisse traîner depuis trop longtemps, genre, tu sais, les trucs à la con, la compta,
des projets, des machins. Genre la veille, je marque sur mon agenda, genre tout ce que je dois faire pour la journée, je me donne des objectifs et j'essaie de les remplir. Attends, mais ça se voit que ça te fait plaisir de me dire ça, là, j'ai l'impression. Ouais, là, tu te rends compte que t'es content de ce que tu fais. Mais attends, mais toi, tu grilles des étapes, là, depuis tout à l'heure, regarde. Mais je suis un escargot à côté, en fait, hein. Mais attends, mais comment ça, je grille des étapes? Mais frère, je te vois grimper des trucs, ça a rien à voir avec le chemin initial. Mais y'a un chemin. Bah oui, y'a un chemin. Ah bon? Mais attends, mais tu me mets un boulevard, toi. Mais attends, mais. Après, moi, je suis un papy, hein. Attendez, les gars, on. Ah, ok. En fait, faut grimper comme ça. Ah, mais je suis en ouf. Moi, depuis tout à l'heure, je grimpe vraiment comme si c'était une tour, en fait. Ah, mais oui, toi, c'est pour ça que je te dis, toi, tu grimpes comme un malade. Mais des fois, t'as pas le choix de faire ça, si. Bah non, y'a toujours un chemin, frère. Ah, mais ok. Bah ouais. Mais en fait. Mais c'est pour ça, toi. Mais hey, je suis sûr et certain, par contre, tu peux le speedrun là avec ta façon. Bah oui. Ah là, j'étais en train de. T'inquiète pas, frérot, dans quelques secondes j'y étais. Mais par contre, tu vois, là, dans ce genre de situation, t'as pas de chemin, tu dois prendre les bordures là. Tu es obligé de faire ça là. Tu peux faire un side jump, non? Bah non, regarde, c'est là. C'est là, frérot, regarde. C'est là, frérot. Ah ouais? Bah oui, t'es où? Ah ouais, bah t'inquiète. Ah, mais ça va, toi t'es tombé là. Regarde, c'est là et ensuite tu vas là. Et puis tout à l'heure, il triche MDR, mais je savais pas moi. Bon, après... par contre, on est déjà giga méga haut. Tu sais à quoi ça me fait penser? À quoi? T'as vu le film Oppenheimer ou pas? Non, je l'ai pas vu. Oh putain. Oh, ça a dit que t'as complété le niveau. Hein. Mais attends, mais du coup, on peut aller d'une tour à l'autre là, regarde. Utiliser la tyrolienne. Attends, mais une fois que t'es ici, t'es passé. Attends, mais. Par contre, moi, je suis à l'étape 2 et je sais pas ce qu'il faut faire là. Ah, mais oui, mais en fait, t'as raison, il y a tout le temps un petit passage. Hein. Ouais, il y a tout le temps. En fait, le but, c'est un peu une escape. C'est pas une escape game, mais t'as capté quoi. Mais c'est là, je suis con en fait. Là, par exemple, je dois aller où? Pas l'objectif de ma vie. Du coup, ouais, t'es content de toi, quoi. Ouais, bah, je sais pas, t'as jamais une phase, toi, comme ça, dans ta vie où... Si. Tu t'es un peu restructuré, genre, t'étais en mode, ouais, ok, c'est important. Est-ce que là, je fais vraiment tout, tu sais, des fois, j'avais la flemme de tout et de rien. Ouais, tu te remets en question et tout, ouais, c'est important. Hein. Ah, voilà, quoi, un petit truc, bon, tu sais, même, genre, j'essaie de mieux manger, j'essaye de me remettre au sport, je bois carrément du thé vert et tout, tu sais, vraiment, je suis en mode, ah, si. Attends, c'est où là? Mais c'est là. Je fais des trucs dans ma petite vie, quoi, en détente. Ah ouais, mais toi. En fait, ça se voit que t'es un noob. Tu connais les chemins des noobs, genre. Moi, je vois toujours le chemin optimisé, tu vois. Et le chemin de merde, vraiment, le truc le plus long possible qu'on doit faire, je le vois pas. Moi, je suis un papy, moi, je prends pas de risque. Ouais. C'est le problème en fait. Ah, ouah. Oh, j'ai eu peur. Eh, hey, j'entends un avion, c'est toi aussi? Ouais, bah on commence à être. C'est quoi ce bordel? On est à 266 mètres. On commence à être à l'étage des avions là. En vrai, ça va. Il est pas si dur pour l'instant. Il est pas dur, mais. Mais en fait, en gros, si tu te déconcentres. Ouais, voilà. En fait, flemme de recommencer, tu vois. Ah ouais. Attention. Je commence à le maîtriser là, moi, personnellement. En vrai, je suis sûr, si tu t'entraînes, tu peux être bon. C'est où, là? Bah. Là, t'as... Attends. Bah, c'est où? Bah, saute en face de toi. Bah non, mais c'est pas ça, le chemin, normalement. Ah si, regarde, t'as un truc à droite, là. À droite? Vas-y, saute, là. Ça? Ah, mais oui, putain, j'avais pas vu, je suis trop con. Aïe. Je sens moins vif depuis que t'es papa. Hein. Ouais, bah surtout là, 300 mètres, je commence à transpirer. Après, ça va, là, 7 minutes. Putain, mais ouais, mais depuis le début, vraiment, je trichais de fou en fait. Vous rendez pas compte. Ouais, mais en vrai, je suis sûr, tu peux. Il y a moyen de. Les World Records sur ce genre de map, ça doit être intéressant. Ça doit être satisfaisant, bah, regardez. En vrai, il y a vraiment moyen de juste grimper. Je suis sûr, tu peux le faire en deux minutes. Non, en 2 minutes, t'abuses quand même. Mais... Ouais, frère. Tu fais très rapide, je pense. Hein. Pourquoi j'entends un avion là? Par contre, il y a des sauts, ils sont un peu techniques. Genre, tu peux pas trop. Y'a pas trop de marge d'erreur. Et là, c'est là. Mais toi, ça va, franchement, tu grimpes vite, enfoiré. Hein. Il est vieux, le V. Ok. Ça y est, hein. Eh, moi, je joue vraiment par plaisir de temps en temps. Bah, t'as plus le temps, là, ça y est. Bah, c'est vrai. En vrai, c'est vrai. Est-ce que le fait d'avoir un enfant, t'as vraiment, genre, vu une différence dans.
le temps que t'as pour les projets, etc. Ou t'arrives quand même à allier les deux? Bah, j'arrive à allier les deux, mais c'est vrai que j'ai moins de temps. Genre, surtout là, tu vois, j'ai mis beaucoup d'énergie dans Burgoose. Après, j'ai toujours mes deux chaînes YouTube. Ouais, ça va, ça, là, ça passe quand même. Bah, ça prend du après, temps. Après, t'es entouré, quoi. T'es pas tout seul à faire les... Ouais, mais... Les trucs et tout, du coup... Surtout les réunions qui sont chiantes. Ouais. Je suis pas un mec de réunion et pourtant, je fais des réunions tous les jours. Bah là, c'était surtout parce qu'il y avait Burgoose. Non, mais là, ça va aller un peu... Bah, Regalouz aussi, je travaille sur les... Moi, tu sais, je fais des calendriers de l'Avent. Ah oui, c'est vrai. Ah bah, ouais, ça va être la période, là. Ouais, et du coup, bah là, on finalise des calendriers de l'Avent, d'ailleurs, masterclass. J'en ai même pas encore parlé, c'est la première fois que j'en parle, d'ailleurs. Jure, c'est une exclusivité. Oh non Non, Valouz. Non. Ça va? T'as combien de mètres, mètres là? T'as combien de mètres? 415. Putain, j'ai trop le démon. À combien? Je suis à 300. Après, oh. ça va. Oh là là. Oh putain, je suis tombé comme un petit noobie. C'est parce que j'étais content de te dire ça, une exclusivité là. Ah ouais? Putain, une exclu de fou. Mais ouais, ouais, je travaille sur un petit calendrier de l'avant. Bah, tu sais, moi, genre, en gros, tous les ans, je fais une vidéo par jour en décembre. Ouais, bah d'ailleurs, j'avais regardé quelques vidéos, genre. Parce que moi, tu sais, j'ai un péché mignon, et genre, en fait, j'aime trop la nourriture, tu vois. J'aime trop la bouffe. Ouais. Et genre, tout le temps, dès que j'ai faim, je sais pas pourquoi, je tombe sur une vidéo de toi, genre barbecue. Ah ouais? Excellent. Non, mais ça donne faim. Et en plus, c'est cool parce que, genre, tu découvres des produits et tout, genre en mode. Tu sais, des fois, je me dis. Ouais, ouais, bah après, en vrai, c'est pas donné à tout le monde, tu vois, parce que. Ouais, bah ouais, forcément, ouais. Nous, on va essayer de chercher des produits de petits producteurs. Qui sont produits en petite quantité ou très peu communs, tu vois. Et ouais, du coup, moi, j'aime bien ce genre ça de truc, vite un tarot, hein. Ça coûte vite ouais, très cher, bah, tu vois. Il faut pas tous les jours. Mais là, par exemple, tu sais que là, oh, j'ai dit une folie, mais en vrai, c'est pas vraiment une folie. Mais là, hier, je me suis commandé, genre, je crois, 24 bouteilles de jus de pomme. En fait, c'est des amis à nous qui sont revenus, genre, de Normandie, quoi. Et en fait, c'est genre numéro 2, jus de pomme France, médaillé, etc., tu vois. J'ai goûté, c'était insane. Mec, c'est trop bon les produits comme ça. Je me suis commandé des jus de pommes genre à la maison sur internet, tu vois. Mec, je fais jamais fait de ma vie, tu vois. La dernière fois, il y a un maraîcher qui est venu sonner chez moi. Et tu vois, c'est quoi un maraîcher? Bah non, je sais pas quoi. C'est vrai? Non. C'est un gars, en gros, bah c'est un... Je dirais c'est un sorte de... Tu sais, c'est quelqu'un qui fait ses propres jus, etc. Ou qui cultive ses propres fruits, légumes. Et qui fait du porte-à-porte un peu à l'ancienne, tu vois, avec son petit camion. Ok. Et en gros, bah, moi je suis un Yankee de ce genre de truc, tu vois. Ah ouais, genre et... il est venu, il a toqué à ta porte. Bah, la première fois, il avait toqué à ma porte, il s'est dit, oula, jackpot. Parce que finalement, j'étais un vrai Yankee. Et je me suis retrouvé la première fois avec peut-être, en vrai de vrai, je crois que je lui ai acheté tout son captar. J'ai pris au moins 3-4 kilos de pommes de terre, 3-4 kilos de pommes, des abricots, du jus de pomme. J'ai pris au moins 25 bouteilles, gros. Et vraiment, je lui ai fait son chiffre. Et bah, figure-toi que. L'année d'après, jour pour jour, il est revenu chez moi. Il a dit, ouais, j'ai le camion, il est rempli. Et pareil, j'ai refait l'américain parce que j'adore trop. C'est trop bon, en fait. C'est trop des bons produits. En plus, de donner de la force à ce genre de personnes, c'est trop bien parce que, tu sais, c'est des gars... Bah, c'est des gens, ils galèrent, en ouais, fait. Ouais. C'est des passionnés. Et puis, surtout que c'est des putains de bons produits, en général. Ça, j'adore, tu vois. Non, c'est vrai que moi aussi, j'aime bien. Mais du coup, voilà, petite folie, je me suis... Putain, mais j'arrive pas. Attends, mais je peux pas sauter ici. Frère, ça va, tu tiens bien, t'es où là? 500 mètres. T'es à 500 mètres? Ouais. Tu prends un peu là, plus ton temps là. Il commence à avoir des sauts un peu. Technique tricky, tu vois. Ouais, faut sauter sur des sortes de blocs un peu chelous. Non. Sérieux? Ça commence. Non, mais ça va encore. Après, je regarde en l'air, on est loin encore. Et là, ah ouais. On est déjà plus haut que la Tiny Tower. Hein. Ah ouais? Ah, mais on est giga haut, regarde là. Ah ouais, moi je suis à la fin de la petite tour. Là. Ouais, y avait même Tyrolienne, on pouvait y aller si on voulait. C'est quoi ça? Tu dois sauter sur des trucs, des cheminées. Okay, moi c'est bon, je prends pas les mots. C'est vrai ça? Tu t'es fait une prière ou quoi? Wouah, la feu! Bah oui! En plus, j'allais parler au chat, j'allais dire, et vous dans le chat, est-ce que genre ça vous arrive de commander des trucs un peu genre en mode de. Ça coûte un peu plus cher, mais c'est genre petit producteur ou quoi? Ah ouais! Et j'ai failli me faire un karma de fou! Tu sais que moi avec Regalou je me suis fait fumer sur les réseaux parce que les gens ils pensaient que je les volais, tu sais. Parce que c'est. Ah ouais? Bah en fait en gros nous notre but, c'est pour ça que j'ai arrêté les box mensuels. C'est parce qu'en fait en gros nous notre but c'était d'aller chercher des produits peu communs chez des petits producteurs qui produisent eux-mêmes, etc. Mais frère, c'est vite genre 6-7 euros le pâté, tu vois, genre ce qui fait que ça monte très très vite. Même des fois il y a des. Tu prends du thé,
C'est genre vite 14 euros le thé. Quelle heure t'achètes du 14 euros le thé? Mais le but de la box c'était de faire découvrir des produits, tu vois. Et, ah, et en fait, je me suis fait trop critiquer alors qu'en vrai, c'est pas moi qui décide des prix en soi. J'essayais de m'adapter. Et tout en, en faisant fonctionner la boîte, tu vois. Mais ça, de toute façon, c'est pas pareil. Hein. Peu importe ce que tu fais, t'es vite critiqué, tu sais, tout. Dès que tu mets un prix, les gens disent ouais, c'est du vol alors qu'ils se rendent pas compte de. Bah là, justement, sur les burgers, je regardais un petit peu les avis des gens. Alors, pour le coup, personne m'a encore critiqué sur le goût pur, etc. Et c'est bon. Et parce qu'en vrai, je sais que le produit, il est quali. En vrai, j'en ai goûté des burgers et tout. Et lui, on a quand même bien travaillé. Mais par contre, le prix, bon, bah, en plus, c'est à Paris. C'est un prix par ego, tu vois. C'est 16 balles le menu. 16 balles, burger plus frites et boissons. En vrai, ça va. Moi, je trouve que ça va encore, tu vois. Surtout pour la qualité du produit. En vrai, après, je sais pas ce que toi tu mets dedans et tout. Je t'avoue, j'ai pas trop vu la recette. Mais je me doute que c'est. Enfin, c'est pas genre le steak d'à côté. Ouais, bah non, on passe par une putain de boucherie. Le pain, c'est fait par un mof, c'est meilleur ouvrier de France. Genre, vraiment, genre, c'est du vrai chez d'armature. Ouais, c'est de la qualité. Ouais, ouais, il y a de la pure qualité. En vrai, ça me choque pas, tu vois. De toute façon, à Paris, je te dis, hein, moi, pour des 16 balles, des 20 balles, j'ai mangé des trucs. Pareil. Complètement dégueulasse, tu vois. Donc, en soi, si c'est bon et que c'est des bons produits, tu sais que c'est pas de la merde, etc. Et puis voilà. Bah là je commence à être imperméable à ça parce que finalement tous ceux qui critiquent en soi c'est ceux qui ont pas goûté ou ceux qui comprennent pas y en a qui critiquent et qui pensent que c'est du McDonald's, tu vois. Ouais, voilà. Donc en vrai voilà maintenant je suis imperméable, mais c'est vrai qu'au début c'était chiant, tu vois, parce que bah surtout quoi, tu mets à côté moi je suis pas une grosse chaîne, je suis pas McDo, je suis pas Burger King, tu sais, genre je suis à la base, moi je suis personne, hein, je fais juste des vidéos sur internet. Déjà je trouve ça improbable, à la base moi je goûte des burgers, ça m'est tombé dessus par hasard. Maintenant frère, j'ai quand même ouvert mon ancienne. En plus je t'avais dit, hein, je t'avais pas dit, mais je pense que tu devais déjà bosser sur Burgoos. Genre, c'était quand on jouait à Rust ou je sais plus quoi. Je t'avais dit, ouais, c'est quand tu crées ton restaurant. Ouais. Bah, ou je crois que j'étais déjà en train de taffer dessus, ouais. Ouais, ouais, et toi, tu m'avais dit, ouais, je sais pas, peut-être un jour et tout, on verra et tout. Mais je me souviens, t'avais un peu mesquille le truc, du coup, je me suis dit, ok, bon, il y a peut-être un truc qui veut pas trop en parler et tout. Mais je me suis dit, en vrai, c'était un peu la suite logique, tu vois. C'est pas comme si t'étais youtubeur voiture et d'un coup tu faisais des burgers, tu vois. Ouais, mais je trouve ça improbable, encore une fois, parce que je fais des vidéos où je bouffe des burgers dans ma voiture, tu sais. C'est quand même ouf de se dire que maintenant j'ai ouvert des restos. Ouais, mais ça, ça, tu vois. Non. Ça va. Plus de peur que de mal. Là, je suis à 584. Il y a un avion qui rôde autour de moi, j'ai l'impression qu'il veut me mettre des bastos. Et toi? Moi, je suis à 638, là. Ça va, hein. 16 balles pour un burger frites sur Paris, c'est rien. Ouais, non, mais en fait, les gens se rendent pas compte. Je pense que les gens qui critiquent, c'est les gens qui vivent pas à Paris, tu vois. Et qui sont en mode chez eux. Non, mais après, en plus. Pour 10 balles, ils ont burger frites. J'ai pas envie de m'avancer parce qu'on n'a pas encore taffé sur le sujet, mais tu vois, là, je cherche un resto à Lille et à Rennes. Et bientôt, il y en a un qui arrivera à Montpellier. Et on s'adaptera sûrement au prix de la ville, tu vois. Là, c'est Paris, donc en soi. Oui, c'est cher, hein. Il y a le loyer à payer, frère. Mais après, je préfère pas m'avancer parce que j'ai pas encore travaillé sur le sujet, mais hein. C'est ton restaurant à toi ou c'est un. Comment. Je sais qu'il y a un youtubeur qui fait ça aussi où en fait, juste tu loues la cuisine du. Alors, à la base, je voulais faire comme tu vois Pépé Chicken. Ah bah voilà, c'est ça que ça se passe. Pépé Chicken, en fait, il passe par un prestataire qu'ils ont déjà toutes les cuisines, etc. Juste lui, il a proposé sa recette. Alors, je dénigre pas du tout, je voulais faire ça à la base. En vrai, c'est une solution qui est super rapide, surtout quand t'es influenceur en soi, tu vois. Genre, tu peux permettre de vendre en grosse quantité vite. En fait, j'ai beaucoup négocié avec eux, avec les prestataires en question. Et en vrai, bon, la marque n'allait plus m'appartenir en soi, tu vois. Ça allait faire 50-50 et encore, et j'allais plus être décisionnaire, etc. Et du coup, bon, bah, moi, j'ai refusé ça et je me suis dit, vas-y. On va tout faire nous-mêmes avec Poca, que j'avais rencontré à l'époque quand je travaillais chez Eclipsia, qui lui travaillait avec beaucoup avec Ogaming. C'est qu'on est des dinosaures. Hein. Lui faisait de la bouffe, etc. Il avait ouvert un resto, et du coup, moi j'avais besoin d'expérience, j'ai jamais monté de resto, je suis pas cuisinier. Et du coup, je me suis entouré avec lui, et du coup, c'est avec lui qu'on a monté Burgoos, tu vois. Trop stylé. Ah, du coup, ouais, vraiment, c'est ton restaurant à toi. Oui. Ah. Et tu veux déjà en ouvrir un? T'attends pas de voir un peu si ça marche, les retours vraiment, genre sur plusieurs mois et tout, de ce que ça donne? Et avant d'ouvrir à. Bah, mine de rien, j'ai quand même une forte pression du fait que les gens ils sont en mode tiens, ouvre là. Donc en vrai, et puis pour montrer qu'on taffe dessus, j'ai quand même envie de vite avancer, quitte à prendre des risques. Et vas-y, je m'en fous en vrai.
Toute façon, pour moi, c'est. C'est un kiff qui coûte très cher, mais c'est un kiff. Ouais, en vrai, je peux me le permettre grâce à tout ce qu'on a fait avec YouTube, etc. Donc en soi, l'argent, au lieu de la faire dormir en banque ou dépenser bêtement. Oui, voilà, tu essaies de créer un truc. Voilà, et ça, c'est un truc qui me ressemble et j'adore, tu vois. En vrai, moi, c'est. En vrai, mec, quand j'avais 17-18 ans, je savais pas quoi faire de ma vie. Avec un pote, je voulais prendre un food truck, faire un prêt à la banque, acheter un food truck et faire ça. Finalement, c'est pas fait parce que le fil en aiguille. T'as toujours baigné dans la cuisine, quoi. C'est ce la bouffe. En train de nous dire. Et malheureusement, la mauvaise bouffe. Waouh, la dinguerie qu'il a fait. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon cœur s'est littéralement arrêté pendant une seconde. En fait, j'ai loupé ma touche espace et j'ai réussi quand même à me rattraper sur un truc. Attends, mais écoute, c'est. Écoute, je suis quasiment à la fin, moi. Mais arrête. Je suis à 745. Bah, je sais pas, mais j'ai l'impression que j'arrive au bout là. Il y a une sorte de giga plateforme au-dessus de moi. Mais mec, t'es méga chaud en vrai. Hein. Bon, après, c'est vrai qu'il est pas si dur. Là, il est juste en mode faut pas se foirer quoi. Cup eggs. Oh, j'ai des œufs. Mais toi, t'as l'air d'avoir un mental. Parce que t'es joueur pro, hein. Oh. Toi, t'as du sang-froid. Mais écoute, Valou, j'ai trouvé un truc. Le truc le plus cheaté du monde. Non, dis-moi pas que tu triches. Quand même. Je pense pas que ce soit de la triche, mais c'est un peu de la triche. En fait, te spoil pas, mais un endroit, il y a une sorte de passage alternatif. Et en fait, il y a. Vas-y, je te spoil. Merde! En fait, un endroit, tu peux passer dans un endroit un peu tricky. Je me suis dit, tiens, si j'allais par là. En fait, il y a un nid d'oiseau, il y a des œufs dedans. Et j'ai pris les œufs, et en fait, c'est des œufs de gravité un peu. Ah ouais! C'est un peu un easter egg, tu vois. Ah ouais! Du coup, tu les utilises? Bah. Ouais, là, ils sont dans mon gosier. Hein. Attends, après, t'es peut-être obligé, non? Non, j'ai pas l'impression que t'es obligé, mais je t'avoue que je sais pas si c'est la bonne solution, parce que j'ai l'impression de grid un peu avec ça, genre. Je vais entendre le bruit du vent et Nikov tomber. Attends, il faut passer où, là? Si je tombe, vraiment, je pleure. Hein. En vrai, je te jure, c'est pas pratique du tout, parce qu'en fait, des fois, il y a des petits sauts, et vu que je saute trop haut, je me cogne la tête et ça dévie ma trajectoire, tu vois. Ouah, et là, j'ai sauté, j'avais plus la gravité. Ah mais non, mais c'est clairement pas fini. Oh putain, je suis à 800 mètres, ok. Mais par contre là, en dessous de moi, j'ai genre une giga plateforme, un peu de sécurité, j'ai l'impression. Mec, tu sais que j'ai le vertige. Moi aussi, mais tu sais que... Est-ce que toi aussi, dans le chat, dites-nous si ça fait ça aussi. Tu sais, des fois tu tombes sur des TikTok, de mecs qui grimpent des tours... Ah ouais, moi je suis obligé de regarder parce que je trouve ça satisfaisant, mais j'ai le vertige de fou. Moi aussi, mais moi j'ai des instants les mains moites. Moi aussi. Genre, c'est un truc, à chaque fois ça me fait. Je sais pas si dans le chat ça vous fait. En mode, quand vous regardez les vidéos des mecs qui grimpent dans les arbres très hauts ou dans les immeubles ou dans les falaises, mais sans sécurité ou même des fois avec des sécurités, j'ai instant main moite, main humide, un peu mouillée, tu sais, genre. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Moi aussi, je me chie dessus en vrai. Ouais, pareil, moi aussi, la même. Ouais, je pense qu'on a tout ça, hein. Et tu sais que plus je grandis, plus j'ai le vertige. Ouais, mais moi je sais pas trop si j'ai le vertige, mais je pense que je l'ai un peu quand même, tu vois. Même des fois je fais des rêves où j'ai le vertige, c'est horrible. Moi c'est pas ça, mais tu sais, des fois je fais des rêves où genre ma jambe elle tombe dans le lit et ça me réveille. What the fuck? T'as jamais vu ça en mode ta jambe elle tombe du lit et du coup t'as l'impression de tomber et tu te réveilles instant en mode non. Oh. Non. Qu'est-ce qui se passe? Ah, y'a que moi en fait. T'as attendu un peu, j'ai l'impression que tu me rattrapes un peu là. T'es où toi? Ah t'es là, t'es sur la grande plateforme, c'est ça? Ouais, je t'attendais un peu. La même chose que toi, ça arrive H24. Ah non, mais moi aussi, ça m'arrive tout le temps. Et c'est trop... C'est étrange, en fait, comme sensation. Mais moi, une fois, genre, il y a un an et demi, je m'étais mis un peu à l'escalade, vite fait, j'avais fait genre 2-3 sessions. Et tu sais, il y a des moments où, bon, t'es quoi, t'es à 4 mètres du sol, il y a des tatamis en bas et tout, tu vois. Mais il y a des moments où, tu sais, j'avais la peur d'aller saisir une prise où je me dis, à tout moment, je l'ai pas, je tombe, tu vois. Ouais. Genre, oh 800 mètres. Ah mais attends, mais quoi? C'est... Mais elle fait combien de mètres cette putain de... Il y en a de tour. Et en plus, là, il commence à y avoir des sauts, Valouz. Genre là, celui-là, je vais pas te porter la poisse, mais je pense que tu réussis pas. Wesh. Lequel? Ok, non, désolé. On peut passer là? Qu'est-ce qu'on réussit pas? Non, c'était... T'as pas vu, c'est un autre... 100% tu t'es précipité, t'as pas ouvert les yeux. Écoute, moi j'ai eu trop peur de ce saut. Toi tu l'as fait en détente. Non mais ça se voit que toi t'es un expert de ce genre de trucs un peu bizarres.
Non, 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 je suis pas un expert, frère. Mec, vraiment, Only Up 2 avec Michou, on a galéré. Hein. Lui, il a pas fini, moi, je l'ai fini. Waouh, la sauce. On a mis 3h30, peut-être. En fait, c'est parce que toi, t'es giga patient, tu vois. Pense, toi, tu grides pas. T'es conscient de tes capacités et du coup, tu... Ah, je sais que par exemple, ouais, au niveau du clavier, je suis en dessous de toi, quoi. Du coup, j'essaie de... Bah attends, mais tu passes par où, frère? Moi, je peux pas faire ça, tu vois. Tu vois, c'est exactement ça. Moi, j'ai pas les capacités pour ça. Regarde, je vais redescendre, hop, et je vais passer par le vrai chemin. Voilà. Ah, c'était là le vrai chemin. Mais en fait, moi, je vois les chemins optiques, je vois pas les vrais chemins. Putain. En fait, c'est ton cerveau qui envoie un signal à ton cœur ou l'inverse pour savoir si tu es en vie, car tu es trop fatigué, ton corps ne répond pas. Ah, c'est pour ça que ça me réveille dans ma nuit. Mon corps, il sait plus si je suis en vie. Frère, t'as déjà fait un rêve où tu sais que t'es dans ton rêve? Ouais. Un rêve conscient, ça s'appelle. Lucide, non? Ah ouais, lucide. Attends, tu veux rigoler ou pas, Valouz? Non. Ok, on va peut-être pas rigoler tout de suite, je suis en torture mode. Ah oh, putain, j'ai pris un coup de pression. Tu vois, sur le vrai lieu, normalement, ça, tu tombes et t'es en mode non. Ça va, la tour, elle est pas trop punitive pour nous. Ouais, ouais, ça va, ça va. Parce que moi aussi, j'ai glissé quelques fois, ça va. Ouais, rêve lucide, j'ai déjà fait. Et c'est trop stylé, genre. Mec, c'est énervé. Un rêve lucide, mais quand j'étais petit, tu sais, j'avais peur de Gollum, tu vois. Pourquoi t'avais peur de Gollum? Ouais, regarde ce que j'ai fait, attends. Petit œuf. Oh, gamin. T'es où? Ah ouais, ça te fait sauter où? Mais attends, mais je l'ai pas vu, moi, l'œuf, du coup. Ah bah, t'as pas trouvé l'histoire. Mais attends, t'en as combien? J'en ai plus, là, c'était le dernier. Mais je vais attendre qu'il s'enlève, parce que là, je t'avoue. Attends, mais faut aller où, là? Aller en face. Genre, rêve lucide, en gros, j'avais trop peur de Gollum, tu vois. Et je me souviens d'un rêve où, genre. Tu savais que t'étais en rêve? Ouais, il voulait me manger, tu vois. Attends, faut que j'attende que le fils. Il voulait me manger et j'ai capté qu'il est dans le rêve. Du coup, genre, en gros, ma main s'est transformée un peu en sandwich et je lui donnais au calme. Et manger, ça faisait rien, tu vois. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais fait de cauchemar de Gollum. Attends, quoi? Alors, vraiment, c'était marrantise. Ta main s'est transformée en sandwich? Ouais, en mode ma main, tu vois, c'était comme un steak. Et il y avait genre le pain et tout. Un peu comme le sandwich de Samy dans Scooby-Doo, tu vois. Avant, c'était le même sandwich. Ah, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et il a tapé un croc dedans et il y avait zéro souci. Du coup, après, j'ai plus eu peur. Alors, vraiment, c'était mon. C'est ton némésis. Écoute, je te jure, tous mes cauchemars, c'était à base de Gollum qui venait et il m'empêchait de parler pour prévenir mes parents. Et c'était effrayant. Tu sais que moi, des fois, je fais des rêves et je sais que c'est un rêve. Du coup, je me réveille et là, je suis dans mon lit et en fait, je suis encore dans mon rêve. Et du coup, je me re-réveille et je fais ça en boucle, frère. Et du coup, je suis en mode, attends, je suis dans la vraie vie ou je rêve encore? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pas ça. Ouais, en mode, tu sais plus où t'es. Une boucle infernale, ça me l'a déjà fait. Ça me l'a fait il y a pas longtemps en plus. Peut-être il y a un mois et demi. Non, moi j'ai pas ça, moi. Oh mec, c'est... Non! Oh merci mon bon Dieu, j'adore cette tour. Oh, heureusement qu'elle est là, hein, parce que frérot, là... Tiens, frère, là, je partais vraiment loin, là. Hein. Alors, on trouve là, c'était je recommence. 26 minutes. Parce que mine de rien, là, j'avoue. Bon, je pense pas qu'on arrive ici à 26 minutes, on est un peu plus rapide après, tu vois. Genre, je pense qu'ici, tu peux arriver en 15. Moi, c'est bon, là, je grimpe bien pour l'instant. Oh, 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 oh. Oh, la folie qui vient de m'arriver. Non, mais tu vois, moi, j'ai un problème d'œil instantané. C'est une dinguerie. T'as vu, j'ai dit, je grimpe bien. Écoute, ça m'a catapulté à 100 mètres de... Oh, mec, t'as pris un pneu? Ouais. Mais putain, j'ai pris la même. Le pneu, il t'a fait tège. T'as rebondi dans un truc. Mais je crois que c'est un piège, hein. Oh, les enfoirés, j'ai pris la même. T'es à combien de mètres, là? Ah, je suis à 890, là. Oh, bah ça va. Bah, ça va. Mec, je suis à 960. C'est pas toi qui a dégringolé, frérot. Non, mais en vrai, ça va. En vrai, de vrai, ça va, hein. Ouais, ça va, mais ça aurait pu être pire, hein. Et du coup, c'est ce pneu-là. Mais pourquoi il est si dangereux? Ok. J'ai réussi à le passer. Il est abusé. Ouais, des sauts, ils sont bizarres, hein. Ok, c'est bon, je remonte bien. Bon, moi, je prends mon temps, t'inquiète. Ah, je suis une petite pause, là. Ouf. Hop, les. Ok, et là, c'était... fallait que j'aille où? Il a peur de Gollum. Putain. Oh, level 5. Et pourquoi vous me bannez? Je te vanne pas, frère. Je trouve ça atypique. C'était quoi le truc que t'avais peur quand tu faisais des cauchemars? Bah moi,
Moi, je suis bizarre. En fait, en gros, je crois que j'ai jamais fait de cauchemar de ma vie. Parce que, en fait, les trucs, tu sais, genre, en gros, moi, j'adore Jurassic Park. Et je faisais énormément de rêves avec des dinosaures qui voulaient détruire la ville et me manger, tu vois. Mais pourquoi t'as pas acheté un dinosaure à... au petit? Comment ça, acheter en un plus, dinosaure? Je t'avais dit, hein, bah, un doudou dinosaure au moins. Faut qu'ils connaissent les dinosaures. Bah, il va les connaître, t'inquiète. Mais Pokémon. Pokémon first? Ouais, Pokémon first. Mais. J'ai vu, t'as mis. Attends, je te coupe une seconde. Le truc que t'as acheté, c'est quoi là? T'as pas mis une story en mode. Ah, c'est un tableau Pokémon ou. Ah, c'est un cadeau qu'on m'a offert. Ok. C'est trop stylé. C'est un gars qui fait ça. Je connais pas trop en vrai. Ok. C'est un cadeau qu'on m'a offert. Et bref, et du coup, bah moi je faisais beaucoup de rêves de dinosaures. Mais genre qui voulaient détruire, me manger, etc. Mais en fait, j'aimais bien. Quoi? En fait, j'aimais bien, tu sais, ça faisait des rêves un peu apocalyptiques, tu vois quoi. Et toi, tu kiffes l'apocalypse un peu. Mais parce que, en fait, je sais pas pourquoi, j'arrive toujours à me rendre compte que je suis dans des rêves. Et du coup, j'en profite comme une expérience, tu vois. Ah ouais. Putain, j'avoue, c'est trop bizarre de dire comme ça, mais moi, c'est ça. Fait, hein. J'ai fait une ou deux fois ouais, des rêves où, genre, vraiment, je prends contrôle du rêve et vraiment, c'est la part game, je fais ce que je veux, tu vois. Genre, c'est. Ouais, j'ai déjà fait ça aussi, c'est énervé. Putain. Mais souvent, les meilleurs rêves, ils s'arrêtent direct. Ça, c'est pas de chance. Les rêves, c'est chelou quand même, des fois. Ah, c'est vrai que c'est un peu tellement des trucs qui ont ni queue ni tête. Putain, par contre, c'est... je dois aller par où? Ça? Frère, attends, mais c'est... ça devient technique là où je suis. Non, les gars, ils stream pas, Valouz. Ah, moi, c'est quand même... Ah, tu m'as fait peur, j'ai regardé un instant. Non, 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 juste j'ai pris un coup de pression. Ok. Ça grimpe. Par là. Mec, ça me fait penser à un film. J'ai vu un film. Frère, c'est exactement ça en fait. C'est un film, c'est deux meufs. Elles escaladent, tu vois. Il y en a une, c'est une influenceuse. Du coup, elle escalade des trucs de fou et elle fait des vidéos, tu vois, avec sa GoPro. Et en fait, ils escaladent exactement ce même jour de tour. Et arrivés tout en haut, ils font la photo. Et bon, je te spoil, hein. Tu m'en veux pas? Ouais, vas-y. Et de toute façon, tu le verras jamais, le film. Et du coup, arrivé tout en haut, ils arrivent tout en haut, et en fait, ils montent une petite échelle pour arriver sur l'antenne tout en haut, et l'échelle se pète. Et du coup, ils peuvent plus descendre. Pour ceux qui ont le vertige, ce film est terrifiant. Non! Oh, merci, mon dieu, mon dieu. Oh, j'ai vraiment le dieu de Fortnite avec moi, là, aujourd'hui. C'est pas où, là? Comment il s'appelle, les gars, ce film-là? Pas de vertige, je crois, un truc comme ça. Angoissant, tu sais, les meufs qui restent coincées dans la piscine, là. T'as jamais vu ce film? Dans la piscine? En mode, elles sont à la piscine et en fait, la bâche, elle se ferme de la piscine. What? Et elles sont enfermées, genre, entre l'eau et la piscine, genre la bâche de la piscine, tu vois, dans une piscine municipale. Et bah, du coup, elles peuvent pas. Sortir, genre. What? Mais attends, c'est un film sur ça? Ouais, mais j'ai jamais vu. Le sujet du film, c'est ça? Ouais, ouais. J'ai jamais vu ce film, mais c'est quoi ce sujet de film? Les extraits et tout. C'est où, là? Ah, ton film, apparemment, c'est Fall. Ah ouais, c'est ça, je crois. Je comprends pas, c'est où, là? T'es déjà là, toi? Ah ouais, c'est... Ouais, t'es là. Je suis remonté. Tiens, bah, dis-moi, c'est où, là? Ah bah, c'est sûrement là, en fait. Ouais, c'est ok. Putain, mais je regarde le vide mais vraiment. Putain, frère, qu'est-ce que je branle, moi? Attends, regarde au-dessus de toi. Mais mec, on est bientôt à la fin, je crois. Hein. Bah, je me suis dit ça tout à l'heure, il y avait encore. Il y avait encore 800 mètres mec, au-dessus de nous. Mec, hein. Tu sais que t'as tracé à mort là. Après, là, je prends vraiment mon temps, moi. Je suis là tranquille, ouais, pépère, sans en vrai, pression. Là, je suis quand même assez lent. Hein. Bah, t'es pas obligé de flex. Voilà, hop, ça s'appelle un karma. Non mais là, je le jure que je comprends pas pourquoi je suis tombé. Hein. J'ai sauté, mon personnage s'est accroché, absolument rien. Ouais, bah moi ça m'a fait pareil tout à l'heure, il voulait pas s'accrocher. Wow. T'es à combien de mètres là? 1106. Bon ça va en vrai. Il est pas punitif en vrai. Il est pas punitif mais... Mec, j'aurais pu te sortir des on-love, vraiment t'aurais pété ton crâne. Non mais c'est bien de commencer avec ça, parce que moi vraiment je rage quitte les trucs comme ça. Hein. Je n'ai pas le... Tout à l'heure t'as parlé de mon mental, en vrai j'ai un mental. Mais les trucs comme ça, ça peut vite m'énerver, tu vois. Genre, tu vois le jeu dans le chaudron, là? Bah lui, vraiment, il m'a fait péter un câble. Ah, t'as joué à ça? Ouais, ouais.
J'ai jamais fait ça, moi. Oh, c'est des fous. Parce que le truc est vraiment skillé, tu vois. Oh. Là où toi, c'est juste des sauts et tout, only up. Là, c'est vraiment, tu sais, tu dois manier le. Le sort de petit. Ouais, ouais. Là et tout. Enfin, c'est technique, tu vois. Mais attends, mais elle est interminable! En fait, on est en train de dire, ouais, ça va, elle est facile et tout, mais en fait, elle est interminable, hein. T'es pas arrivé encore? Ouais, mais mec, je suis au nouveau palier et. Je t'entends déjà. T'es en train de le speedrun, toi. Là, je T'es tombé? Non. T'es tombé. Mais attends, je t'entends tomber alors que je suis plus haut que toi. Non, mais tu vois, là, tu sais ce qui est en train de se passer? C'est que j'ai envie de te rattraper et du coup, je fais des erreurs. Je vois, exactement. Alors que vraiment, c'est. Faut être giga méga patient sur tout ce que tu fais et ça passe. Oh, tu prends ton temps. Non, bah, là, surtout que maintenant, Fortnite, c'est un peu plus simple et Death Run. Bien que moi, j'aime pas trop cette mécanique-là, mais tu sais, tu peux te rattraper, tu vois. Avant, tu pouvais pas te rattraper. Tu ratais un saut, hein. Il y a quand même des petits bugs, hein, des fois, hein. Ok, je suis sur la sorte de plateforme, moi aussi. Alors, à des moments, je sais pas trop pourquoi ça me... Ouais, justement, t'arrives pas à t'agripper. Ouais. Et là, c'est où? Ok. Ça devient escape game, là où je suis, moi. Ok. Je vais voir au-dessus. Ah, je crois qu'on arrive au bout, hein. Ah, oh. Ouais, on arrive peut-être au bout. C'est long. Oh, j'ai. Ou pas, hein. Je suis en train de paniquer. Je me suis chié dessus tout seul. Tu t'attrapes de tous les côtés? Ouais. J'ai pris ça, moi aussi. Et en fait, du coup, j'ai touché le sol, mais j'ai sauté. Je sais pas pourquoi. Et du coup, je suis retombé encore un peu plus bas. Ah putain. Ok, c'est bon, ça passe. C'est 1500 mètres, là, apparemment, la map. Non. Je me suis avancé dans la vraie vie, frère, pour essayer d'avoir la tour. Ah mais attends, mais écoute, j'ai vraiment cru que j'allais plus jamais te voir là. J'ai avancé dans la vraie vie, la vie de ma mère, j'ai avancé dans la vraie vie, frère. J'ai avancé mon corps. Oh, ça, toi. Oh non, mais qu'est-ce que je branle? En fait, je fais comme toi là. Je fais n'importe quoi. Ah, tu perds ton mental, hein. Putain. Pas de chance, hein. Tu m'as dit 1500 mètres, je me suis dit, oh là, j'y suis presque. Il faut que j'aille où? Et je commence à être tendu. Ok, c'est là. On va monter sur le tuyau. Et ça passe. Les gars, je dispose de l'œil. Non, commencez pas à sortir vos yeux, les chats là. C'est quoi l'œil? Ah, moi j'ai un œil, il est puissant. En gros, dès que je dis un truc, il se passe une dinguerie, genre en mode le contraire, tu vois. Par exemple, sur Fortnite, tu vois, quand on a nos joueurs sur les Zipoda en tournant et tout. Genre, si jamais j'ai le malheur de dire, ils sont trop bien dans la game, etc. Et il va se passer un là, truc, ok. Il peut rien leur arriver, ils meurent instant d'une dinguerie, genre. Mais... Mode balle de snipe, tu vois, genre un truc vraiment de fou. Genre. Ouais, je vois. Et ça arrive très souvent. En fait, c'est souvent dans les vents, tu vois, quand tu dois passer accroupi dans les ventilations, t'as des easter eggs ou des raccourcis, j'ai l'impression. Ouais, genre, bah c'est ça. C'est ça que j'ai eu. Tu dodges un peu des trucs en prenant des pneus. Ah ouais? Ouais, genre c'est un peu un raccourci que j'ai pris quoi, ça m'a fait griller deux étages. T'es à combien de mètres là? Non, c'est là-bas. Là je suis à 1329. Ah ouais, tu m'as mis 100 mètres. Wouah. Ok, ça va, ça se passe. Prends ton temps, non mais il faut que tu prennes mon temps. On n'est pas pressé, frérot. Ah mais là, en fait, vu que là, il n'y a plus de sujet, ça, je me concentre trop sur mon gameplay et du coup, je stresse. Relance un sujet, là. Je parle d'un truc, là. Attends, ouais. Attends, parce que moi aussi, je stresse, en fait. J'avoue, trouvez un sujet, les gars. Ouais, le chat, vas-y, trouvez un sujet, genre... Ouais, j'escalade quoi, là? Un truc d'actualité, j'en sais rien. Ah, Coupe du Monde de rugby. T'as suivi, toi, un peu, ou pas? Ouais, je suis un peu. Moi j'ai pas du tout suivi. Si si c'est pas mal hein. Ça me bosse grave de suivre. Bah ouais bah frère bah suis maintenant parce que... Genre je connais un peu le rugby et tout quoi. Parce que moi je viens de Toulon tu sais avec le RCT et tout. Ouais. Et du coup genre j'ai toujours un peu connu le rugby tout ça mais... Bah non mais suis parce que bah là c'est en cours quoi. Ah ouais mais c'est pas à la fin que tu te diras. Les horaires de stream ça tombe oui, pendant okay, les matchs ouais, tu vois. Et du coup y a des moments où bah en fait c'est... C'est un match de rugby et moi derrière j'ai un truc, tu vois. T'as ton taf quoi. Ouais voilà. Ah j'ai une question pour toi, un sujet, allez.
Vas-y. Tu vois ce que tu fais, streamer, c'est ton travail. Ouais. T'as considéré à partir de quel moment que c'était ton travail? Bah en vrai moi c'est assez bizarre parce que de base t'es joueur pro tu vois. Ouais. J'ai pas comme... En fait de base c'est pas mon but de créer du contenu tu vois. Et même encore à l'heure d'aujourd'hui en fait j'ai du mal à me considérer comme créateur de contenu tu vois. Mode j'ai juste l'impression de partager des trucs avec des gens sans forcément considérer ça comme un travail aussi tu vois. Ouais. Je trouve l'en dehors je trouve ça plus enfin, un travail que juste quand je lance le live tu vois. Genre il y a plein de jours où juste je lance un live et genre t'es en mode je lance voilà, un live, quoi. C'est pas mon taf là. Là j'ai juste envie de lancer un live. Mais même souvent tu vois, je considère pas ça comme un taf en mode putain faut que j'aille stream tu vois. Genre j'aime bien tu vois, ça m'arrive aussi des fois de me dire là j'ai la flemme tu vois. Comme tout le monde. Ah ouais des fois t'es... Bah ça m'arrive ouais, mais c'est rare tu vois. Parce que quoi, t'as pas de jeu, ça tourne en rond. Ouais, tu sais des fois t'es là tu sais... Je dis je vais stream et je sais pas trop quoi faire, y a pas trop de jeux qui me bossent en ce moment, un peu un moment creux, tu sais. Ouais ça c'est horrible hein, quand tu stream. Les moments creux. Parce que j'aime pas lancer pour lancer, tu vois. Ouais. Et du coup j'aime bien. Et puis même, tu sais, des fois quand t'es dans un mood un peu t'es pas à ton top ou quoi, tu vois. J'aime pas lancer de live aussi parce que je considère que quand je lance un live, j'ai envie de. D'être au top. Enfin, je sais pas. Ouais, d'être au top. Pas forcément au top, mais en mode de pas dégager des mauvaises ondes, tu vois. Ouais, je ouais. Me dis. En fait, des fois, tu sais, j'ai un peu le. Pas le syndrome de l'imposteur, tu vois. Je pense qu'on l'a tous un peu eu en mode pourquoi moi, pourquoi les gens me regardent moi et pas lui, etc., tu vois. Mais en plus, en mode. Je. Mon été sert à rien, tu vois, des fois, je me dis. Bah si, en ça vrai. Sert à rien et tout. Bah alors et, là. Et le... Ouais, non, mais et tu vois, des fois, ça m'arrivait de me dire ça en mode à quoi ça sert, tu vois. C'est pas utile à la population. Ouais, c'est pas. Et... Si, en vrai, c'est quand même utile, hein. Et je parce me... que. Et tu veux que là où. Vas-y, vas-y, mais je te donne la mon point même de chose, vue. En vrai. Bah, moi, combien de fois, genre, j'ai rencontré des abos. Bah, qui sont. Pas forcément qui ont d'amis ou qui ont une vie familiale compliquée ou tu sais, genre, ça se passe pas bien. Et en fait, en gros, avec nos vidéos, nos contenus. Bah, ils se déconnectent et en gros, ça leur permet de reprendre un petit peu confiance en eux, même de les changer un petit peu de mood, tu vois, de les remettre un petit peu dans notre ouais, mood bah, à nous moi parce qu'on est souriant. C'est Parce exactement que... ça, tu vois. C'est vraiment genre, des fois, en fait, quand tu reçois un message en mode de, bah frérot, merci pour tes lives, Ouais, en voilà. ce moment, je suis à l'hôpital ou chez moi ça va pas bien ou à l'école Ouais, ça c'est va pas ça. bien, etc. Et là, tu te dis, putain, en vrai, tu vois, genre. Genre ça a un impact tu vois, c'est pas juste tu lances un live Mais cet impact, tu fais... il est pas facile à comprendre au début en vrai. Hein. Bah ouais c'est pour ça que moi je parlais vraiment au début, là maintenant j'en ai conscience tu vois. Mais c'est vrai que quand vraiment t'as l'impression d'avoir genre on va dire fait oublier pendant genre une heure ou deux le temps du live tu vois genre... Genre le quotidien un peu qui peut être chiant des gens et tout genre c'est trop cool. Genre Bah c'est la oui. meilleure des récompenses tu vois, c'est Oui. au-dessus de juste prendre ton salaire à la fin Twitch ou j'en sais rien tu vois genre c'est... C'est trop bien, tu vois, t'as un sens, y a pas juste... Ouais, c'est ça, t'as un sens. Alors ça peut paraître bizarre pour les parents ou ceux qui sont pas de cette génération, tu vois. Mais nous, maintenant, qui sommes vachement sur les écrans et tout, en vrai... Attends, on a quand même sorti un petit débat philosophique, là. T'as fini? Écoute, Valouz, t'es prêt à quoi pour que je te donne un tips pour gratter genre 10 étages d'un coup là? Non, moi je la fais legit. Non mais c'est legit hein, c'est vraiment legit, sauf qu'il y a un truc qui peut te... T'as pris un pneu? Grand... Non, mieux qu'un pneu mais... Y'a un petit histoire. Ah, je vais pas te dire hein. T'as quoi, t'as un jetpack, t'as un cramponneur? Est-ce que t'es prêt à mettre le prix, c'est ça? Non. Ah bah grimpe mon grand. Mais t'es à combien de mètres là? Ah là je suis à 1575. Mais ta gueule. Je suis sûr c'est vrai. Putain, tu m'as mis un boulevard, frère. Ah bah là, je viens de gagner 10 étages en légende, hein. Vraiment. Les gens sont choqués. Hein. J'ai vu un truc, j'ai pris un cut de zinzin, mais un cut legit, tu vois, c'est voulu par le mec de la map. Hein. Ah ouais? Pas de la triche. Hein. Ah ouais, mais c'est un vrai truc, tu vois. Mais. Va aller le voir. Donc bon. Ok, attends. Comment je grimpe ici? Petit pneu, tout là-bas. Mais ouais, du coup, ouais, c'est toujours cool. C'est vraiment la vraie. Waouh, mais c'est toujours giga grand, frère. Mais non. Oh. Ils ont pas dit 1500 tout à l'heure, les gens? 1600. Je pense que c'est 2000 en vrai. Et là, vraiment, si tu tombes tout en bas, c'est la PLS. Bah, là, c'est la giga PLS. Hein. Tu vois où t'es là? Oh, c'est le ventilateur par terre là? Ouais. Mais saute pas de là. Oh, t'as réussi. Sa mère la pute!
Wow. Ah wow, oui. T'as eu chaud, hein. Ah oui. Malgré un truc, hein. Ah d'accord, ouais, y a moyen de le speedrun de malade en fait, hein. Cette map là, tu la speedrun. Tu vois, là, y'a un mec dans mon chat, il a perdu un membre de sa famille et tout. Il dit que, genre, en mode, le fait de voir des streams cool avec des gens cool et tout, ça l'aide à, genre, un peu oublier, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai souvent, moi, des messages comme ça, hein. Y'a grave des gens. Bah, en vrai, on a tous notre petite vie, notre petit chemin et. Ouais, voilà, tu vois. Avec les petites galères, hein. Même, en vrai, même nous, tu vois, c'est notre taf, justement, d'essayer de toujours être. Bah, tu sais, souriant, etc. Joyeux, parce que voilà. Mais on a aussi nos trucs, hein. Bah t'es gentil toi. T'es gentil. C'est juste que tu voulais être en dessous de moi, c'est ça? Oh non, je voulais absolument rien, écoute, j'ai vraiment c'est la fin de l'aventure, hein, qui a failli se passer là ici, hein. Ah ouais? Je sais pas ce qui s'est passé, je te jure, des fois mon cerveau il se déconnecte, je fais deux sauts au lieu d'un ou je sais pas. Et là tu vas être dans un momentum où tu vas tomber plusieurs fois. Ça va se passer, hein, mais. Et surtout que là la plateforme blanche elle m'a pas sauvé, hein, donc vraiment c'est. Ah bah tout à l'heure elle m'a pas sauvé non plus, hein. Tout à l'heure, moi, j'étais tombé quand même pas mal, en vrai, hein. À l'entrée. Ok. J'ai eu le souffle coupé carrément. Non, mais moi aussi, mais je suis tombé comment, les gars, en vrai? J'ai même plus le souvenir. Genre, tu t'es pas agrippé, peut-être? Non, je crois que c'est là, en fait. J'ai fait double saut comme un con, genre. Attends, c'est où, là? Vraiment, je sais pas ce que j'ai fait. Ok, c'est là. Oh, mais frère, comme on est haut! Attends, elle est où la petite tour là? Tu vas pas me dire que c'est ce petit truc tout en bas là? Non. Ça là? Attends! Elle est toute miskine là, wesh! Attends, mais c'est pas possible. Je peux y croire. Non, c'est pas... ce petit truc, les gars là, la petite tour de tout à l'heure? Je peux y croire, c'est pas possible que ce soit ça. Abuse. Ah si, en vrai, 1600 mètres, je pense que c'est ça. Hein. On la voit même plus. La ouais, Tiny Tower. Ah ouais, c'est vraiment la tour du petit frère, quoi. Waouh. Bah ouais, je pense que c'est ça parce que de l'autre côté, il y en a pas. La galère. Ouais, Est-ce que toi, t'as eu des moments, genre dans ta carrière, en mode de, sur internet et tout, où t'as voulu arrêter? En mode de reprendre une vie normale ou genre changer? Non, parce ou... que. Non, parce qu'en fait, je sais pas quoi faire si je fais pas ça. Ouais, en fait, moi, je sais faire que ça. Alors là, je me rends compte que je sais faire beaucoup de choses parce que mine de rien, notre métier est un peu. En vrai de vrai, il y a un peu. Tu fais un peu de tout, tu vois. C'est un peu boîte à outils. Ah, c'est vrai que on touche à tout un peu. Mais ouais, je saurais pas quoi faire. Moi, je pense que je suis formaté pour faire ce genre de truc, tu vois. C'est pour ça que j'ai une discipline, je suis quand même régulier, etc. Ouais, je vois. Mais non, parce qu'en vrai, je suis tellement content. Moi c'est l'inverse, tu vois, genre j'ai du mal à me donner des pauses. Là tu vois, j'ai eu un décès cet été dans ma famille. Merde. Du coup, bah c'était un peu dur, tu vois, je me suis permis quelques pauses. Mais encore, j'ai quand même tourné des vidéos. Parce qu'en fait, en gros, je me dis, tiens, j'ai tellement galéré. Mine de rien, j'ai quand même galéré, moi ça fait 10 ans que je suis sur internet. J'ai galéré en arrivé là, j'ai peur. Alors c'est bizarre à dire, mais j'ai peur que les gens m'oublient, tu vois. Et que ça marche plus, et que... On a tout ce truc, tu vois, de se dire... En fait, c'est pas un truc qu'on peut vraiment contrôler, tu vois. Voilà, c'est ça. Le seul truc que tu peux faire, c'est être tout le temps là. C'est ça. Et continuer à faire ce que tu sais faire. Mais je trouve que, tu vois, il y a plus ce problème sur Twitch, tu vois. Oui, oui, en oui. Mode, bah, c'est pour ça que moi, j'ai pas été sur Twitch. J'envie un peu les youtubeurs pour ça, tu vois. Mais tu sais que moi, à la base... Vraiment, genre, bosser, genre... Un bah mois ouais. À fond, préparer genre, je sais pas, 10 vidéos, j'en sais rien, etc. Bah des fois quand et je pars en vacances, je prépare pendant une semaine mes tournages, tu vois, comme ça je suis tranquille. Ouais, voilà. Ça sur Twitch, je peux pas. Pendant un temps, et ensuite tu fais ça. Moi, par exemple, sur Twitch, si jamais je veux prendre genre 2 semaines de vacances, bah c'est 2 semaines où je suis pas là, tu vois. Tu sais que moi, à la base, deux semaines de live. Je suis arrivé, enfin les gens commencent à me connaître grâce à Eclipsia, qui était une plateforme de... Ouais, avec mais j'avais regardé un petit peu à l'époque et tout, je me que des streaming, tu vois, donc moi j'ai baigné dans le stream, et je me suis dit, je peux pas en faire ça de ma vie, parce que... En vrai, si genre je live pas, comment je fais pour gagner ma vie? Et je peux pas live tous les jours, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai pris le choix de vraiment m'orienter sur YouTube, moi. En vrai, c'est pas vraiment genre si tu live pas, comment tu gagnes ta vie. C'est surtout, imagine genre tu live pas pendant 2 semaines. Bah, mine de rien, tu peux perdre grave des abonnés, grave des subs, grave des viewers aussi. Ouais. Parce que bah, en fait, quand t'es pas en stream,
Admettons, je sais pas, si un streamer il est habitué à streamer tous les soirs de 18h à 20h, tu vois, mettons. Bah, tous les gens ils ont un peu leur quotidien, leur routine, tu vois, ils se disent putain, le soir quand je rentre de l'école, après avoir mangé avec ma famille et tout, je lance le stream, lui il est tout le temps là, j'aime bien ce qu'il fait, tout c'est cool. Mais si jamais t'es pas là pendant genre 2 semaines, bah ces mecs là ils vont quand même aller regarder Twitch, tout ça, mais ils vont aller regarder d'autres gens et peut-être que les autres gens ils vont être, ils vont les trouver plus drôles. Plus dans le délire, plus marrant, etc. Et au final, bah les gens, bah. Ouais. Mais Twitch, c'est dur pour ça. Hein. C'est dur. Hein. Parce que des fois, il y a des gens, ils se tuent. En plus, ça prend du temps, tu vois. Ils se tuent à ça et. Bah, tu pars un mois, enfin, allez, pas un mois, tu pars 2 semaines en vacances, voir ta famille ou autre. Bah, déjà, tous tes subs, tu les perds. Enfin, la moitié au moins. Ah, je pensais que t'étais tombé, putain. Je t'entendais. Écoute, plus, je pensais que t'étais tombé. Valou, si je me rattrapais pas là, c'était la fin de la game. Hein. Vraiment, mais non. Parce que je partais très très loin. Je me suis rattrapé sur le bord de la plateforme. Est-ce que t'as full spam la touche espace? Non, j'ai appuyé une fois, mais c'était vraiment la seule et unique chance. Hein. Attends, j'arrive ou tu retombes là hein. Ouais, j'arrive pas. Je fais des frayeurs, j'ai peur IRL carrément. Ah, mais moi, là vraiment, je me suis. Mais putain, mais. Ah, faut courir et sprinter en fait. Qu'est-ce que tu fais? C'est un peu le problème pour ça, quoi. Ouais, ouais. C'est pour ça que moi, début de ma carrière, j'ai envie de dire, j'ai pris la décision vraiment de m'orienter YouTube et d'utiliser Twitch comme. Quand j'ai du temps, quand j'ai envie de live, quand. Tu vois, genre quand. Ouais, c'est un bonus parce que. Ouais, c'est ça. C'est plus stream, une passion, un hobby, tu vois. C'est un plaisir de stream, mais c'est vrai que des fois, ça te prend. Tu te dis, t'es un peu enfermé dans ça en mode. Tu peux pas vraiment. Aller prendre 2 semaines, 3 semaines, bah ouais. En mode bah quand, vraiment full off, quand tu vides, quand tu vides ça, ouais, c'est pas évident parce que bah, tu te dis « Ah bah non, je peux pas partir en vacances, faut que je live, quoi. » Ouais, voilà, tu vois, c'est en vrai, c'est pas évident. C'est pour ça que moi, je live uniquement quand on fait des events style, bah, je sais pas, on fait du farming ou on fait du rust ou t'entends une petite soirée à Among Us ou autre, tu vois. Mais ouais. Pas tout le temps. Ah, par contre. En fait, le souci, c'est que C'est pas comme dans des métiers où genre ok tu prends du retard, admettons si tu comptes le fait de pas stream comme du retard, ça se rattrape. Twitch c'est vraiment différent parce que tu peux genre ah, c'est de l'instantané, partir 3 semaines, si tu reviens et tu stream genre 10 heures par jour tout ça, ça se trouve ça marchera jamais aussi bien ouais, que ce que tu étais voilà. Avant tu vois. Ouais. Genre bah moi par exemple tu vois, c'était l'année dernière je crois. Genre pareil j'ai perdu ma grand-mère et tout, j'ai eu un décès dans ma famille. Et du coup j'ai pas stream pendant genre, j'ai perdu ma grand-mère plus Covid tu vois, alors vraiment j'ai eu la totale. J'ai pas stream pendant genre 2 semaines. Deux semaines et demie, un truc comme ça. Et genre quand je suis revenu, bah tu sais, genre j'étais quoi, j'étais en moyenne, j'étais genre à 4000 viewers en moyenne et tout. Quand je suis revenu, j'étais genre à 1500 viewers en moyenne, tu vois. Donc ouais. C'est encore exceptionnel, tu vois, c'est encore trop bien. Mais en mode, tu sais, tu te dis, putain, chaque live que je lançais, il y avait tant de gens et tout, c'était trop cool. Ouais, ça démotive genre, en plus. Tu vois, c'est grave lourd l'ambiance et tout, machin. Là, tu reviens, tu sais, c'est plus la galère, il y a moins de monde actif dans le chat, ceux que t'avais l'habitude de voir, ils sont plus là. Y a moins de subs et tout, bon après c'est toujours pareil, toujours les mêmes trucs de Twitch. Et tu sais, tu te dis, putain, en fait, tu peux vraiment, si jamais il t'arrive une dinguerie dans ta vie ou quoi, tu peux vraiment, genre, dépop de la circulation. Après, c'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Y a des gens, type les vraiment big streamers, je pense qu'ils disparaissent un mois, ils reviennent, c'est la même, tu vois. Ouais, genre, bah oui, après. Un Kameto, tu vois, par exemple, lui, je pense qu'il s'arrête un mois banal, il revient en légende, tu vois. Ouais, ouais. Mais gros, c'est trop dur la fin! Je sais pas là, ouais, moi aussi ça commence à être galère là. Non, non, mais je suis à l'antenne finale! Qu'est-ce que je branle? Ah ouais, mais toi tu speedrun toi! Non, bah non, t'es juste en dessous de moi. T'as pris un raccourci? Non. Wesh, la fin est giga dure! Gotaga en mode Zidane. Ouais, mais même Gotha, en vrai, mine de rien, Gotha ça lui. Enfin. Il a pas perdu genre. Lui c'est plus vraiment juste de l'argent. Parce qu'en soi. Il a pas. Je sais pas si t'avais suivi ça. En gros. Non, Valouz. Oh, t'es un bon de ouf. Panique pas. Lâche le clavier, J'ai eu trop peur, gros. Je me suis vu mourir, hein. Je le dis, hein. Ouais, j'ai vu ça. Genre Gotha lui il a fait ça à la Zilan, tu sais, il avait participé et du coup il avait vraiment, il voulait vraiment genre faire une perf au tournoi. Ouais. Et du coup il a abandonné un ouais, peu. Ouais, j'ai suivi team, vite fait. Il avait pas live pendant un moment. Ouais, voilà. Putain, mais attends, mais faut aller où là? Parce qu'il avait peur de donner ses strats et tout, c'est ça? Ouais, voilà. Mais du coup. Attends. Je t'ai dit là, c'est trop dur, frère. Rigole pas!
Allez, oh là là, t'as failli te manger un karma d'une puissance. Mais non, mais là gros, je te dis, c'est trop bizarre. Mais ouais, du coup, lui, il avait pas live pendant un moment, et après, la reprise, c'était un peu plus dur, il a perdu beaucoup d'argent aussi. Bah, c'est surtout argent, tu vois, je pense, lui. Surtout que lui, il y a son grand local, etc. Il a sa société, il a des employés, ouais. Il a des machins, donc... Ouais. Là, c'est une pression en plus, hein. Quand tu t'engages là-dedans. Je dois passer où, là, en fait? Qu'est-ce qu'on doit faire à partir de là? Là. Mais ouais, je suis con, en plus, je l'ai vu tout à l'heure. Ah, ça commence à être dur, là. T'as vu? On voit le bout, là. On arrive, hein. Là, on voit le bout, là. C'est par où, là? Ouais, Balou, fais extrêmement gaffe, non. Balou. Non. Putain, mais frère, mais c'est quoi ce délire? Oh, je suis une légende, T'as réussi à faire un truc de ouf? Ah, frérot, j'ai fait 40 tractions pour monter, hein, vraiment. Ah, t'es pas passé par le chemin habituel? Si, là, non, il y a vraiment un... Mais putain, en on fait, est con, c'est là, wesh. Tu fais un trop gros jump, ça te nique tout, genre. Mais ouais, t'as vu? Ouah, non, c'est dangereux le jeu. Hein. Je suis à la plateforme, Balouz. Oh, putain, ça va, t'as de la chance. Putain, heureusement qu'on est pas sur un vrai lieu, frère. Ouah, ça commence à être dur. Oh là là, j'ai mis plein de montée, frère. Ça me fait peur. On a fait plus dur. Mais non, mais... Bien sûr que si, on a fait le plus dur. Moi je dois le refaire, toi t'as fait, t'es à 600 mètres au-dessus de moi. Mais non, moi je suis à 1943 et toi? À 1820, ouais. Ça va. Et je vais sûrement tomber parce que frère... Tu prends les chemins off, s'il te plaît, mais c'était les chemins off que j'ai pris en vrai. C'est, y avait les petites plateformes et tout les gars. T'es obligé de passer par là. Par contre là c'est par où? Putain mais là je sais jamais par où c'est. Là non. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie, je suis tombé à 1878. Mec, j'étais au dernier saut, il restait plus qu'un saut. Ah vrai? Je te jure, il restait plus qu'un saut, frère. Oh non, mais là, le final, il a pété un câble. Hein. Vu que c'est tout petit, frère. Attends, mais là, il y a une sorte de petit passage, non? Je suis pas censé avoir un raccourci. Ah ouais, il y a un raccourci ici, les gars. En vrai, ça va, tu remontes quand même vite à 1900. Et... En fait, le pire, c'est quand tu t'hésites sur un saut et que du coup, ça te tape dans le coin, tu sais, quand tu redescends. Ouais, ouais. Faut que j'aille. Ça, c'est le pire truc. Et... On grimpe. Tranquillement. J'ai l'impression que je suis en train de monter une tour et elle est toute petite et moi, je suis grand. Les gars, pour moi, le chemin officiel, c'est ça, non? Je suis pas fou. Regardez, c'est les petits, c'est la petite plateforme ici. Et ensuite, je dois grimper sur les petits rebords, non? Pour moi, c'est ça, le chemin offi. Non, je sais pas, en vrai. Ah, oh, mais ça fait peur, hein. C'est des enfoirés, putain. Ok. Ça passe. Ça passe. En fait, je fais un. Il veut pas juste me grimper doucement. Mais c'était pas le dernier saut du coup. Sa mère. Là, je veux plus là. Non. Mais putain. Non mais c'est trop frère. Le final il est dur. Mais attends, mais même là, moi je comprends pas là. Et c'est bon, j'arrive à grimper. Yeah. Non! Putain! Attendez les gars, je suis focus là. Et wesh! Mais. Okay. Ça me fait m'agripper à des trucs, normalement je dois pas m'agripper là. T'es où toi? Ah, t'es au-dessus de moi. Oh, c'est la pression, Valouz. Hein. T'as vu ça? C'est à partir de là que ça devient vraiment dur.
Oh, t'as réussi, je suis tombé ici moi tout à l'heure. Allez, en légende. Je suis tombé là, moi. Hein. Là où t'es. Ok. Attends, mais ça y est, c'est... j'y suis, non? Oh, je suis coincé dans un bug. Et non, il y a un truc encore ici. Moi, j'arrive pas à m'agripper. T'as réussi? Attends, j'ai les fous. Oh, j'ai les mains mortes. Ah putain, c'est pas fini. C'est pas fini. Mais attends, mais il reste plein de trucs encore. Comment ça, c'est pas fini, frère? Mec, par contre, on est là en légende à deux, frère. Oh! Mais attends, c'est pas fini encore! Mec, je suis en train de transpirer dans la vraie vie, frère. C'est mais quoi moi, ce délire? J'ai les mains moites, mec, attends, mais mec, c'est de plus en plus minimaliste! Oh, à chaque fois, t'as l'impression que c'est fini, mais en fait, c'est pas fini. T'es tombé à combien? Je suis pas loin, tu sais, je suis juste en dessous là, dans les trucs chiants là encore. Oh, let's go! T'as réussi? Let's fucking go! Eh, hey, quand même, 59 minutes, frère, hein. Je vais faire plus d'une heure, moi. Je dois réparer un truc. Je vais t'attendre pour le réparer. Il y en a vraiment, leur métier, c'est de faire ça. Hein. C'est quoi, ça? En fait, j'ai peur que si j'active le truc, ça fasse un truc et que tu l'as pas fini, du coup. Allez, tu me vois, hein. Oh, mec, on va taper notre meilleur saut. T'as mis plus d'une heure à grimper cette putain de tour, allez. Tombe pas maintenant. Tu te... Arrête de porter l'œil! Balouze! Mais tu fais aucun effort, wesh! Je tombe pas maintenant, je tombe à l'instant! Mais tu fais aucun putain d'effort! Mais si, je te jure, je fais des efforts de fou là! Non, t'as pas fait d'effort. Mais en fait, moi c'est le rattrapage du saut qui. Mais panique pas! Panique pas! Mais toi, tu sautes dans tous les sens, t'es hyper actif quoi! Allez, vas-y, c'est la fin! Voilà! Allez, répare-moi ça avec ton chalumeau là! Comment on répare? Ouah, mais attends, mais j'ai les mains moites, wesh. Oh. C'est quoi ça? Oh! Si tu finis avant les 1h20, 20 secondes, bah ça y est, j'ai fini là. Gros! Attends. Vas-y, répare-le. Ah oui, insert batterie. Turn on power. Ok. Attends, j'arrive. Oh non! Balouze! On aurait dû sauter ensemble! Attends, j'arrive, c'est bon, je reviens. Attends, viens, on essaie de regarder la petite tour, elle est. Waouh, regarde où elle est. Elle est où? Viens, attends, on fait un jeu. On essaie de sauter sur le toit. On saute sur la petite tour, ok. Mais sans le sans le jetpack. Okay. Eh, tu sais quoi, le jetpack, je le jette. Vas-y, t'es prêt? Je peux pas. Vas-y, moi aussi, je le jette. Je peux pas le jeter. Je sais pas. Vas-y, 3, 2, 1. Allez! Oh, c'est un dropper. On a grimpé tellement. Mais tout ce qu'on a grimpé en vrai. Pour le moment, j'ai l'impression que je tombe dessus. Ouais, moi aussi. Eh mais heureusement on n'est pas tombé en mode vraiment. Oh, hein. Mais regarde, tu tombes vraiment, mais oh mec, je pense, mais vraiment tu pleures. Par contre la petite tour, oui, c'est vraiment une petite tour. Hein. La Tiny Tower. Mais je pensais... Ah mais non, regarde, c'est là la Tiny Tower. Mais putain. Merde. Il est où? Attends, il y a une récompense en haut là, hein, j'ai l'impression. Ah, c'est la baby récompense, c'est pour la Tiny Tower. Waouh. C'est quoi ça ce que j'ai? Ah, c'est un bélier. Attends, il y a l'avion. Oh, mais jamais on l'attrape. Hein. En légende. Moi, vite. Jamais on l'attrape, Balouze. Attends, comment? C'est quoi cette merde là? C'est le bélier. Putain. Mais pourquoi moi? Ouais, elle était bien, hein. Ah mais ok, d'accord, c'est... Oui, attends, pourquoi je suis encore dans les airs, moi? Qu'est-ce que c'est que ce merdier, cette arme? Moi, elle était sympa. Kiffé, hein. Franchement, moi, c'était... j'ai bien kiffé celle-là. C'était vraiment pas mal, j'ai bien aimé. Tu sais, c'était vraiment genre marathon, en mode tu... C'est pas dur, mais vu que c'est pas dur, ça te pousse à aller vite et à faire des erreurs, du coup, tu vois. Et on n'oublie pas les petits pouces dans les abonnements et les commentaires. Brrr.